Wow, donc activité vie dafa nek ci cadre projet bi nga xamé né subvention innovant. Nous sommes en consortium avec Alpha Dev, le conseil départemental de la jeunesse Agro-Décav, qui centre à éclairer des ados jeunes. La finalité est que nous avons personnel santé pour renforcer l'aide sur le développement interpersonnel sur la communication. Parce que je pense que nous devons être solo. Nous savons que nous avons des CRC, nous devons renforcer pour que vraiment nous devons avoir des enfants. Nous devons encadrer, nous devons suivre. Nous ciblons 30 personnes. Nous repartirons sur deux districts, Kermassar et Yembal. Parce que le département de Kermassar a deux districts. Donc, le district a 15 éléments. Donc, nous sommes ici aujourd'hui avec un formateur qui est vraiment excellent. Donc, il est chef de division régionale. Donc, nous devons tout ce qui est communication interpersonnelle. Voilà, satisfaction totale, parce que déjà, quand on est venu, on a vu qu'il y avait une nécessité. Donc, on demande, parce que quand on fait la pré-évaluation, et quand on fait la pré-évaluation, après on fait l'évaluation, on a vu que vraiment, il y a une attente de la formation, renforcer les capacités. Je pense qu'on l'a réussi, et je pense que c'est une... Ben contribution sur le processus du projet. Dans les perspectives, dans moins de 3 ou 4 jours, nous avons un atelier qui est encore renforcé. Parce que la première phase, le renforcement de la capacité, on l'a fait avec l'agent de santé, après nous l'avons fait avec les acteurs communautaires, les pères ados. À partir de là, maintenant, nous avons fait de la sensibilisation au niveau du terrain. Vraiment, la formation a une importance parce que ça nous a aidé à évoluer sur le plan professionnel et aussi à évoluer aussi sur l'accueil. Parce que de fait, amener que l'on a maintenu, d'un côté, on a un retour, c'est un peu négatif. Mais par rapport à l'infidélité, vraiment, on a amélioration par rapport à ça. Et nous aussi, changer tout par rapport à ça. Nous remercions aussi les organisateurs ODECAV, Alpha Dev et le Conseil de la jeunesse. La formation et le formateur aussi, vraiment ça a été clair et vraiment on le remercie aussi.